Mais dites donc, le vieux là, c'est pas. Ah ouais, c'est l'inspecteur d'Eric, The Game. Putain, ils ont osé, mais c'est, tu t'emmerdes pas trop là? C'est un peu mou, et là encore, c'est une course-poursuite. Hein. Oh putain. Putain, mais toi, t'as une tête d'abruti, on a l'impression que t'as fini Megaman avec un crédit. Qu'est-ce que Je t'en parle pas, putain. Je suis allé boire un verre au bar d'en face, là. Et puis, le mec, il m'a dit, vu qu'il sait qu'on aime bien les jeux vidéo, il m'a dit, tiens, bah, je vais te faire tester ma borne de réalité virtuelle dans la cave. Quoi, le bar d'en face avec le type bizarre? Ouais, celui-là. Donc, on va dans sa cave. Alors, il me fout un casque sur la tête. Alors, par contre, si tu connais pas, t'as l'impression que c'est un casque de moto. Hein. Et puis, il n'y avait pas d'image. Il m'a dit que ça viendrait sur une mise à jour. Et puis moi je pensais que j'allais toi jouer à un jeu de simulation quoi. Mais c'était pas une simulation, c'était quoi alors? Non, c'était autre chose. C'est une bite. Tu déconnes. Ouais. J'avais vraiment l'impression de me faire tu vois, t'as vivement que ça arrive sous Steam. Hein. Dans le bar d'à côté avec le gars tout en cuir avec les posters de Patrick Juvet. Ouais, c'est ça, avec les petites figurines des Village People qui sont dit. Oh putain! Mais alors au cas où le café d'à côté c'est pas des proctologues hein.